Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de survie du week-end avec notre redécouverte. Non, c'est pas ça. Redécouverte d'ici, le col du gardien du sud. On va aller au col du gardien du nord. Nous, on est dans la grotte en fait pour le moment qui fait qui lie en fait col du gardien du sud et nord. On est en plein milieu de la nuit. Est-ce que je suis. Ouais, on est en plein milieu de la nuit, donc c'est un peu embêtant, c'est pas grave. Il nous faut un peu d'eau. Il faudrait un peu d'eau. On va voir. J'entends une tempête à l'extérieur, donc on va voir un peu comment ça se passe. Donc encore une fois, ça va sûrement être un épisode un peu court, je suspecte, parce qu'encore une fois, c'est de la redécouverte, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, donc regardez le début de l'épisode précédent si vous savez pas. Mais ouais. Ouais, on a une tempête. C'est joli ces grottes là, hein. J'aime beaucoup moi ces grottes. Donc on va continuer d'explorer ça. Je vais vous montrer le passage en contrebas aussi. C'est où j'avais trouvé, je crois, le lance-fusée. Ça, je crois que c'est pour revenir. Je sais plus exactement le chemin. La grotte est un peu labyrinthe, hein, quand même, un tout petit peu. Donc il y a un passage en contrebas où il faut prendre une corde. Et ça vous mène dans une grotte. Et dans cette grotte-là, c'est possible d'avoir donc du coup... Attends, pourquoi ? Bizarre. Comme s'il y avait quelque chose là. Ouais, bizarre. Ça peut des fois vous mener à de bonnes découvertes. Alors, est-ce qu'on est au bon endroit? Ouais, le nord, ouais, on est bon. Alors, on va peut-être... Je dirais passer un moment et attendre que... Ouais, non. Parce qu'honnêtement, le côté sud, en fait, est vraiment facile à y vivre. C'est un peu petit, hein, mais bon, il y a des loups et tout ça pour manger. Il y a des endroits pour se cacher et tout ça. Ici, beaucoup moins. Ah, attendez, peut-être qu'on peut... Peut-être qu'on a la maison qui est pas loin. Je sais plus exactement. Mais il faut qu'on fasse du feu, du coup. C'est joli, ça, comme ça, là. Avec le brouillard et tout, là. C'est pas mal, ça. Je trouve que ça fait un joli screen. Hop. Du coup, on doit être en plein blizzard. Ouh la vache, c'est ça. J'en sais rien en fait. C'est très silencieux. Je sais pas trop ce qui se passe en fait. Du coup, bon, de toute façon, après, on fait demi-tour si on veut se mettre à l'abri. Mais je crois qu'il y a la maison abandonnée là. Mais il me faudrait du bois. Et je sais pas si on va trouver du bois. Là, il y a les lapins. Je sais qu'on voit pas trop. Ouais, on aurait dû attendre honnêtement pour avoir un peu plus de visibilité. Là, c'est une série de crevasses en fait.
C'est juste une série de crevasses. On va faire ça, allez. Comme ça, on voit un peu mieux. On va un peu avancer. Alors, comme je disais, ici il y a beaucoup moins d'endroits en fait pour vous mettre à l'abri. Et c'est un peu le problème de la zone en fait, c'est qu'il y a moins d'endroits. Ça y est, on y est. Ah, le problème c'est que ça éblouit la lampe. Honnêtement, là vous voyez les lapins, mais avec la lampe vous voyez pas les lapins. Donc ouais, là on risque pas grand chose, on va juste prendre du bois. Je sais plus si j'avais laissé du bois de côté. Je sais que j'avais fait un grand feu, ça va durer pas mal de temps. Donc du coup je sais pas trop si, si on a laissé du bois. Alors c'est là. Alors, est-ce qu'on a du bois? Je vois rien du tout. Donc ouais, vous avez ici... Vous avez ici qui peut être un endroit pour vous reposer, mais enfin, on n'a pas de bois en plus. Il fait froid ou à 10, ça va. Y a pas grand chose. Y'a vraiment pas grand chose. Là je vais récupérer les bois pour faire des flèches. Okay, je fais encore un peu le tour juste pour récupérer des morceaux de petits bois, puis après on fait du feu. Mais je les avais déjà récupérés quand j'étais venu la première fois, du coup il reste plus grand chose. Il n'y a pas beaucoup de jours en fait qui se sont passés depuis que je suis venu ici. Donc du coup, il n'y a pas eu trop de temps de... pour se renouveler. Voilà. Ouais, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Donc ouais, ça par contre ici c'est vraiment pas conseillé de rester longtemps. Le mieux c'est juste de venir ici, se réchauffer et de se casser en fait. Vraiment ne pas rester ici longtemps, ça sert à rien. Il n'y a pas vraiment d'endroit en fait pour se mettre à l'abri, il y a vraiment... C'est vraiment une mauvaise zone. Ça par exemple c'est une mauvaise zone, je qualifie ça de mauvaise zone. C'est vraiment une zone ou de transit ou une zone de... Vous venez simplement ici pour chercher ce que vous voulez, enfin trouver les objets qui vous qui sont intéressants et basta quoi. Ah. Eh ben on va avoir un problème. On va avoir un problème, dis-moi. Eh ben on fait demi-tour. Oh
Enfin, quoi que, j'en sais rien en fait. Putain, planche. 23 minutes. Ah, on peut se débrouiller, on peut se débrouiller, vous inquiétez pas. Ça, ça va nous réchauffer. Hop. Did I say I hate being cold? Because I really do. Ah, ok, on a des planches là. Voilà, vous voyez comment on combat le froid. Et voilà, c'est bon, on est nickel. On est nickel. Est-ce qu'il y a encore des planches? Genre rien qu'un petit bout de bois, ça peut faire une différence. Allez! What? Sans lumière! Putain, tu te fous de ma gueule, quoi. Ouais, c'est vrai que normalement, on peut pas utiliser d'outils en fait sans lumière, donc oui, du coup... Mais à l'extérieur, normalement, on peut. Même s'il fait nuit. Enfin bref, c'est pas grave. Ah, très bien. Par contre, parce qu'il y a toujours le problème des vêtements. Non, mais de toute façon, ils sont pas humides, donc ça va. Bon, ben voilà. Alors, ça, c'est quoi? Plus 3 degrés. Nous, on va mettre le note. Ah, quoique, je vais avoir du mal à le positionner. Ouais, non, je vais avoir du mal à le positionner par contre. Voilà. Voilà. Et on est sorti d'affaire. On est sorti d'affaire. Par contre, je dois pas être très très fatigué. Ouais. Ça, ce sont des vieilles tisanes. Honnêtement, là, j'utilise vraiment des ressources, mais comme j'ai dit, vu qu'on faisait tout le temps très attention aux ressources, eh ben, j'en ai beaucoup à la maison. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, du coup, on se préparera avec des meilleures choses quand on repartira. Donc, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Encore 4 heures de feu, ça va. On est quasiment full vie, nickel. On a ça pour faire de l'eau. On peut aller récupérer encore un peu de bois, parce que je sais qu'il y avait des petits morceaux de bois là, à détruire en 10 minutes là. Par contre, j'ai plus le bonus de chaleur là. Faire gaffe. Ah, vous voyez? Sans le bonus de chaleur qui protège, c'est vraiment une catastrophe. Par contre. Ah, très bien. Histoire que ça dure longtemps.
On sait pas trop combien de temps ça va durer là. Vous voyez, ça c'est vraiment le problème de cet endroit. Et je crois que la première fois que j'étais venu, ben, j'ai eu exactement le même problème. C'est que je me suis retrouvé ici et j'ai été bloqué. Alors, bloqué c'est un grand mot. On aurait pu faire demi-tour et retourner dans la grotte. Et je conseille vraiment de faire ça, c'est de retourner dans la grotte. Comme ça vous risquez pas grand-chose. Mais ouais, là c'est un peu le problème. Vous êtes bloqué ici, vous pouvez pas vraiment vous avancer. Le temps est extrêmement froid. Ça peut durer un bon 6 heures, voire plus. Ouais, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Après, alors la maison elle est dans un piteux état, mais elle protège du froid de toutes parts, je crois, donc ça va. Je regarde s'il n'y a pas des planches. Mais encore des planches. Mais bon. Non, il n'y a pas grand chose. Après, le mieux quand même, c'est de... Si vous voulez patienter, en fait, c'est de patienter dans le duvet. Comme ça, ça vous... Putain, j'arrive plus à le mettre maintenant. Oh là là. Pourquoi j'arrive plus à le mettre? Vous patientez dans le duvet, comme ça vous gagnez plus de chaleur parce que vous avez le bonus du lit. Ah, nickel. Ben voilà. Voilà, voilà, on a survécu, nickel, pas de problème. Pas trop de problème, j'ai envie de dire. Parfait. Alors, on voit qu'on a de plus en plus chaud, donc du coup, le temps se... réchauffe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un café. Comme ça, ça nous réchauffera et on aura aussi le bœuf. Il y a toujours du vent. Il y a toujours une sorte de résidu de vent. Très chiant. Escalade, on a mis notre torche dans le dos, hein, évidemment, c'est bien connu. C'est bien connu. Ah, ça me tuera toujours hein, de faire ça. Hein. Depuis qu'on m'a dit qu'on pouvait le faire, ça me tuera toujours. Il y a zéro logique de pouvoir faire ça, mais bon, c'est pas grave. Oh là là, il y a toujours du vent, sans avoir du vent, c'est très... Ah, c'est chiant. J'aime pas quand ça fait ça. J'avance à 2 à l'heure. Je suis pas en surpoids, hein, je suis à 35 kg. Genre, ça me souffle pas la torche, donc en théorie, j'ai pas, y a pas de vent. Mais il y a du vent qui me pousse. Ah, ça c'est parce que la torche elle est aérodynamique et moi non, en fait, ça doit être ça. Ouais. Ah non, c'est ça l'explication.
J'avoue. J'avoue. Ah bah ça y est, elle a été soufflée. Ah oui, c'est vrai que je peux plus la jeter maintenant. Ouais, c'est pas grave. Ouais, y a plein de massettes ici. Vous voyez, il y a les têtes un peu partout. J'ai même des torches encore. Alors, je crois pas qu'il y ait... Ah, peut-être pas de ce côté-là, mais je crois que de l'autre côté, il y a des loups. Il n'y a pas de grotte par contre, il n'y a pas vraiment de grotte. Il y a une grotte, elle est en contrebas. Ouais, voilà, c'est là. Allez, avance. Je vais essayer de pas m'énerver, mais... Oh, mais qu'est-ce que c'est frustrant, le fait d'aller en ralenti comme ça. Ouais, ça m'avait tellement pas manqué, ça. Donc je crois que l'autre côté, où il y a la corde, là, il peut avoir des loups. Je crois. Il y a un pont à prendre. Là-bas, là. Alors, attention au pont. Ces ponts sont vraiment horribles. C'est le gars ici, freezing. Ok. On est bon. Qu'est-ce qu'il a, le vent? Oh là là. On dirait qu'il souffle de tous les côtés, quoi. Genre, je peux pas le... C'est fou, ça. C'est méga frustrant d'avancer. Une horreur, là. Là, c'est une horreur. On va se mettre de ce côté-là. Ah oui, ici, je m'étais arrêté. Alors, est-ce que c'est Q ou pas? Ouais. Alors ici, c'était une crevasse, là. Alors, honnêtement, c'était une aventure assez sympa, du coup, la première fois que j'étais venu. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé... Donc, il y a un loup qu'on a tué ici, comme j'ai dit. Il y en a un de ce côté-là. On va prendre ça. Donc, par là, c'est Black Rock. Si je dis pas de bêtises. Par là, c'est Black Rock. Et il y a une tempête, en fait, à cet endroit-là. Et je me suis retrouvé, du coup, dans la sorte de crevasse, là où il y avait le feu. Et j'ai vu qu'on était protégé du vent. Donc j'ai fait un feu ici. Et c'est là que j'ai... j'ai tenu bon, en fait, pendant le blizzard. Simplement. Donc c'était assez sympa. Donc j'étais juste dans la crevasse. J'étais à l'abri du vent. Avec un feu. On va descendre. On est à un quart. Alors par contre, c'est très grand ici. C'est un peu un problème. Mais comme j'ai dit, le mieux c'est de pas s'arrêter, surtout si vous êtes un peu lourd. Quand vous montez par contre, hein, évidemment. Mais quand vous montez, faites-le en une fois si vous pouvez, si vous avez bien sûr les crampons et tout. Genre vous arrêtez pas. Et ne tombez pas dans l'eau parce que là c'est la mort. Car là c'est des rapides en fait.
J'étais en train de me dire qu'ils auraient pu faire un truc assez sympa aussi dans The Long Dark. C'est avoir des saisons dans le jeu. Voilà. Donc, normalement... Alors, on peut se réchauffer ici. C'est avoir des saisons en fait. Et des fois quand il fait très froid, genre il y a des endroits où l'eau gèle. Et ce qui se passe en fait, c'est que vous pouvez en fait la traverser. Je trouve que ça aurait pu vraiment être une idée pas mal. De pouvoir traverser l'eau en fait. Je trouve. Là, on a un lit. C'est 2 degrés, par contre. Donc là, c'est où c'est qu'il y avait la fusée. Ça, c'est le cadavre. On va faire ça. On se réchauffe. Hein. Okay, nickel. On va remonter directement, parce qu'il n'y a pas grand but à rester ici, c'était vraiment pour vous montrer. Et il n'y a pas trop de bois, du coup je peux pas vraiment me réchauffer très efficacement. Donc on va juste maintenir notre chaleur, on va prendre le café, ça va nous réchauffer. Et après on se casse. Voilà. Ça va. Non. Ah tiens, il y a une massette que j'ai pas fini de manger. J'avais jamais fait ça. Là, très bien. Donc ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a vraiment pas grand chose à faire. Ici, c'est... C'est simplement pour récupérer la fusée. Et c'est pas vraiment un endroit où vous pouvez rester, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bois déjà. L'endroit qui est protégé, c'est pas vraiment très très protégé. Il n'y a pas de lapins, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien quoi. Donc vous descendez, vous prenez... la fusée, et hop, vous partez. Vous restez vraiment pour vous reposer, au pire. Mais nous, on va prendre la corde en une fois. Je suis en train de me dire, le fait d'avoir la torche, là, de ne pas la jeter, est-ce qu'on a toujours la chaleur de la torche, même quand on est sur la corde? Genre ça voudrait dire qu'elle est... Bah de toute façon, vu qu'elle est toujours allumée, elle est toujours allumée sur nous. Genre en fait, on l'aurait dans notre dos, toujours allumée. Ce serait marrant. Damn, I'm freezing. Et là-bas, on a Blackrock. Ah, le temps se calme un peu. Je sais pas si on a une grotte quelque part. Je crois pas. Ah, on était déjà venu ici par erreur. Là, il y a écrit Blackrock.
à Blackrock. Donc voilà, on peut aller à Blackrock par ici. Allez, on s'en va. Parce qu'on a un peu froid. Elle est où ma torche? Elle est où ma torche? Il y a toujours ce bug, tu vas me dire? Ah, apparemment, oui. Putain, c'est où? Il y a toujours ce bug où qu'on sprint et tout ça, qu'on fait un mouvement un peu spécial, ce qu'on a équipé dans la main droite ne se range pas exactement, mais c'est comme si on l'avait le long du corps en fait, on gardait plus ça devant nous. Avec de la chance, on a toujours le feu qui est allumé. C'est pour ça que j'essaye de me bouger, en fait. Mais ouais, comme je disais, genre des parties, des fois, de temps en temps, l'eau, les rivières, la mer, j'en sais rien. Genre gèle et ça nous donne accès à des nouveaux lieux, vous voyez, des trucs comme ça. Puis après, ça dégèle et du coup, c'est impossible d'y aller. Il y avait des choses pas mal à pouvoir faire comme ça. Genre un... Comment dire ? Un monde dynamique en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, t'es cool. Un monde dynamique, ça aurait pu être sympa. Ah, oh, ce vent là, il me rend fou. Là, par contre, là, ça commence vraiment à m'agacer. Ça, ouais, c'est extrêmement relou. Comme ça, ça va plus vite. Voilà. Est-ce qu'on a toujours le feu ou pas? Yes! Ah, nickel. Tada! Et voilà, on est sauvé. Très bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est que, encore une fois, comme j'ai dit, le deuxième épisode pour ce week-end va être plus court que prévu. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. En gros, c'est ce que j'avais fait la dernière fois, la toute première fois que j'étais venu, avant d'effacer en fait les épisodes. Il y a des graffitis ici. Moi, je vais rentrer parce que c'est pas vraiment très très intéressant en fait de montrer la rentrée et tout ça. Et surtout, c'est qu'on a la batterie. Vous vous rappelez, on avait trouvé la batterie dans le premier épisode. Donc, je vais essayer de prendre la batterie en fait et la ramener au lac mystère, genre maintenant en fait. Donc, ça va me prendre sûrement un petit moment parce que la batterie, bah, c'est 15 kilos quand même. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça de mon côté. Et puis voilà. Je vais essayer donc de. On va dire de voir où est-ce qu'on pourrait aller la prochaine fois. Mais comme j'ai dit, il n'y a que la voie ferrée détruite que je voudrais bien faire. Parce que cet endroit est vraiment
Ah, sympathique. Honnêtement, j'ai une bonne... J'ai des bonnes mémoires. Alors, attendez, je vais faire des trucs. J'ai une bonne mémoire, en fait, d'ici. Alors, ici, c'est un super camp. Et j'ai une bonne mémoire, en fait, d'avoir fait le tour et tout ça. Et d'avoir visité et tout ça, là. Donc, je pense que je vais, on va dire... préparer une excursion là-bas. Je crois que ça va être pas mal. Et ça, ça nous fera passer un peu de temps là-bas. Et comme ça, on pourra... perdre un peu notre temps, j'ai envie de dire. Hein. Jusqu'à ce que l'épisode 4 sorte. Enfin, l'épisode 4. La partie 4 sorte. Et qu'on ait la nouvelle zone et tout ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il reste? Il reste pas grand-chose. Hein. C'est pas qu'il reste pas grand-chose, c'est qu'il reste pas beaucoup de lieux qui seraient utiles à visiter. Parce que, genre... compléter des cartes et tout, c'est pas vraiment le plus fun, en tout cas pour moi. Ouais, on a plus ou moins tout fait. Mais bon, voilà, c'était le donc le col du gardien nord et sud. Le sud... non, le nord est pas vraiment très très intéressant, comme j'ai dit. Il est un peu... C'est juste la grotte là qui est intéressante pour aller récupérer une fusée, si vous voulez. Enfin, un lance-fusée, pistolet. Et après, le sud est sympathique. Vous pouvez y rester et tout ça. C'est très facile d'accès et tout. Mais il faut combattre quelques loups. Donc ouais, ça peut être dangereux. Mais voilà, ce sont les deux zones qui sont sympathiques. Je les trouve cool, ces petites zones. Je les trouve vraiment très sympas. Donc ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et nous, on se retrouvera pour la prochaine fois pour une nouvelle excursion. Et voilà, merci beaucoup. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.